Les fans vont-ils parfois trop loin? T'as sûrement vu cette vidéo passer récemment. On a un message pour toi. Elle te suit depuis la saison 1. Offrons-lui le plus beau cadeau du monde. En gros, Lily est fan de Léna Situation et dans une vidéo, elle lui demande d'organiser sa fête d'anniv pour ses 21 ans. L'histoire pourrait clairement s'arrêter là, mais cette vidéo a lancé un énorme débat. En gros, t'as deux teams. Ceux qui trouvent ça plutôt normal, en vrai, Léna c'est la reine de la teuf et de l'organisation, autant en profiter. Et de l'autre, t'as ceux qui trouvent que demander à une influenceuse d'organiser son anniversaire gratuitement, c'est un peu culotté. Surtout quand tu joues sur l'émotion avec 36 violons derrière. Le fait même de un petit peu surfer sur le truc, je vais attiser de la peine pour que Léna se sente obligée de faire ce truc. Et en plus, ça met Léna's situation dans une position assez compliquée. Déjà qu'on la met dans la sauce dès qu'elle ose respirer. Si elle répond pas à la demande ou qu'elle refuse, elle va se faire tacler de ouf. Et si elle accepte, bah du coup, personne va doser sur ses demandes. Hello Léna, on a un message pour toi. Elle te suit depuis l'accouchement de ta daronne. Elle a campé devant chez toi pendant 2 semaines. Elle a même fouillé tes poubelles. Offrons-lui le plus beau des cadeaux. Un iPhone 14 Pro Max, le bleu nuit, avec au moins 126 Go et une coque. Mais les Apple, hein, pas celles que tu trouves au marché, ça va 2 minutes, quoi. On sait combien tu gagnes, oublie pas qu'on a fouillé tes poubelles, MDR. Car il faut pas l'oublier, les influx, bah, c'est des gens comme tout le monde. Et que c'est pas parce que t'es connu que t'appartiens à ceux qui te suivent. Abonne-toi.